beloved Son of the Father. We give you praise, O wisdom everlasting and Word of God. We sing to you.
chantons, agneau de la Pâque éternelle. Nous te louons, victime immolée pour nos péchés. Nous te chantons, tabernacle de l'Alliance nouvelle. Nous te louons, ô pierre angulaire, rocher d'Israël. Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Bonsoir et bienvenue en cette cathédrale Notre-Dame d'Ottawa pour célébrer ce soir cette solennité de la fête du Sacré-Cœur de Jésus et durant laquelle j'aurai la joie d'ordonner deux nouveaux prêtres. It is a great joy to welcome you all in our cathedral this evening as the church celebrates the solemnity of the Sacred Heart of Jesus, and for me to be able to ordain on this very day two new priests for our diocese is a great, great joy. So thank you for being here and witnessing to this very important event and in the life of our diocese. J'aimerais souligner ce soir la présence de deux de nos évêques, l'archevêque émérite, Monseigneur Prendergast, qui arrive de l'Europe juste depuis hier. Alors, bienvenue, Monseigneur, et notre évêque auxiliaire, Yvan Mathieu, toujours présent et toujours prêt à servir. Merci de votre présence à tous les deux. We are blessed tonight to have lots of visitors from the St. Augustine Seminary, the rector, Father Edwin Gonzalez, and many more. He brought a whole army with you. Many of the servers, I think, are confreres of Michael, and just a blessing to have you with us tonight. Welcome. J'aimerais accueillir d'une façon particulière les familles de Pollux et de Michael. Vous êtes responsable d'une certaine façon du produit final de ces prêtres qui vont servir l'Église. Grand merci pour votre exemple, pour l'éducation de la foi que vous avez assurée et pour toutes vos prières. Among the guests from some have come from far, from New York and Miami and Pollux's family, and from Michael's family, all the way from Lebanon, if I'm not mistaken. So welcome, welcome to you all. Nous ne finirons jamais d'approfondir notre foi et de mieux comprendre l'amour de Dieu pour le monde. Comme les premiers disciples, laissons-nous guider par Jésus et confions-nous à la miséricorde de son Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call sinners, Christ eleison. Intercède pour nous, Kyrie eleison.
Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Grant, we pray, Almighty God, that we who glory in the heart of your beloved Son and recall the wonders of his love for us may be made worthy to receive an overflowing measure of grace from that fount of heavenly gifts. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. De Deutéronome. Moïse disait au peuple, tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu.
cet roi qu'il a choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour mille générations, à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr. Et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances, car je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. A reading from the first letter of John. My dear friends, let us love one another, since love is from God, and everyone who loves is a child of God and knows God. Whoever fails to love does not know God, because God is love. This is the revelation of God's love for us, that God sent his only Son into the world that we might have life through him. Love consists in this: it is not we who loved God, but God loved us and sent his Son to expiate our sins. My dear friends, if God loved us so much, we too should love one another. No one has ever seen God, but as long as we love one another, God remains in us, and his love comes to its perfection in us. This is the proof that we remain in him and he in us, that he has given us a share in his Spirit. We ourselves have seen and testified that the Father sent his Son as a Savior of the world. Anyone who acknowledges that Jesus is the Son of God, God remains in him and he in God. We have recognized for ourselves and put our faith in the love God has for us. God is love, and whoever remains in love remains in God, and God in him. The word of the Lord. Thanks be to God. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Let those who are to be ordained priests come forward. Pollux, Jean-Baptiste. Michael, El Nachef. Me voici. Most Reverend Father, Holy Mother Church asks you to ordain these men, our brothers, to the responsibility of the priesthood. Do you know them to be worthy? After inquiry amongst the people of Christ, and upon the recommendation of those concerned with their formation, I testify that they have been found worthy. Relying on the help of the Lord God and our Savior Jesus Christ, we choose these, our brothers, for the order of the priesthood. Thanks be to God. Thanks be to God. It's a little warm in our cathedral this evening, isn't it? It's not because Michael and Pollux are very nervous. That's not why. It's because the Sacred Heart of Jesus, as we always see it in the pictures, is always with a burning flame, right? Well, Jesus' heart is truly on fire tonight. This is what is warming up our cathedral. Et en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus,
Les textes proposés par l'Église pour la liturgie de la parole sont tout à fait appropriés pour nous aider à approfondir le sacrement de l'ordre. Évidemment, à cette fête, nous allons découvrir ce que contient le Sacré-Cœur de Jésus et comment il doit imprégner le cœur d'un pasteur. Si un prêtre se conforme au Christ dans toute sa personne, et s'il est configuré au cœur de Jésus, le bon pasteur, nous pouvons espérer que le prêtre recherchera à vivre du cœur miséricordieux de notre Seigneur et ainsi l'imiter dans son ministère de charité. Alors, que nous dit la Sainte Écriture sur le cœur de Jésus, Fils de Dieu? Et son cœur ne peut que refléter le cœur de Dieu le Père. Et le cœur du Père nous est dévoilé dans le texte de notre première lecture. Moïse, en parlant aux Hébreux sortis d'Égypte, leur rappelle leur identité en tant que peuple de Dieu et comment ils ont obtenu leur vocation, c'est-à-dire leur appel à être un peuple consacré, une nation sainte. Moïse fait mention d'abord qu'ils ont été choisis par Dieu lui-même. Leur vocation est née d'un appel, d'un choix personnel de Dieu le Père. Ils ont été choisis non pas à cause de leur nombre, ni de leur prouesse, de leur intelligence ou de leur force, ni de leur mérite. Ils ont été choisis parce que Dieu les a gratuitement aimés. Et c'est par amour pour vous et pour tenir le serment à vos pères que vous avez été choisis et sauvés de l'esclavage en Égypte, nous rappelle Moïse. If we can speak of the people of Israel as a chosen people, a holy nation, consecrated and set apart, as mentioned in today's first reading, it is only by God's own gracious desire. It is God being faithful to his own words and promise to Abraham, Isaac, and Jacob. It is the loving heart of God the Father that chooses the people of Israel and calls them to a holy vocation. We can say likewise about the vocation to the priesthood, or any other vocation for that matter. God takes the initiative, and we can only respond to the gift offered by God. So why did God call you? Well, the Lord chose you out of love because he set his heart upon you. His love alone sanctifies and makes you worthy of his grace. We therefore acknowledge and recognize in God his fatherly love, just as revealed in today's psalm. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. We also recognize the same love in his Son, Jesus Christ, in the Sacred Heart of Jesus. The love that flowed from his pierced heart on the cross and through whom which the life of God was passed on to us. Every sacrament is a testimony to that love. And every sacrament is a gift from which we are blessed and transformed and empowered to love
like Christ. It is certainly worth mentioning that this divine love is communicated in the sacrament of holy orders. In becoming an alter Christus, another Christ, the priest is configured to the person of Christ and is called to express his ministry in the very same love. Let us remember the words of Paul in our second reading, or to John for that, St. John in our second reading tonight. Let us love one another, since love, it comes from God. And if God so loved us, we too should love one another. It's that flow of love that we receive and that we give back. This is what transforms our personal lives, and this is what transforms our world into the kingdom of God. In a retreat talk to priests gathered in Rome, Pope John Paul II spoke of sacramental actions performed in persona Christi, and adds, but it must likewise find expression in the fervor of your prayer, the consistency of your lives, and the pastoral charity of your ministry as you reach out tirelessly for the salvation of others. In other words, it demands your personal sanctification. Il est vrai que Dieu a fait de son peuple tout entier un sacerdoce royal dans le Christ. Mais notre grand prêtre Jésus-Christ a aussi choisi certains de ses disciples pour exercer publiquement dans l'Église un ministère sacerdotal en son nom, au nom de l'humanité. Il a été envoyé par le Père et a envoyé à son tour les apôtres dans le monde. Alors, par eux et leurs successeurs, les évêques, il poursuit son œuvre de maître, de prêtre et de berger. Les prêtres sont les collaborateurs de l'ordre des évêques. Ils sont unis aux évêques dans l'office sacerdotal. Ils sont appelés à servir le peuple de Dieu. Pollux et Michael sont appelés à participer au sacerdoce des évêques et à être façonnés à la ressemblance du Christ, prêtre suprême et éternel. Par la consécration, ils seront chacun fait un vrai prêtre du Nouveau Testament pour prêcher l'Évangile, soutenir le peuple de Dieu et célébrer la liturgie, surtout le sacrifice du Seigneur. Il est donc important pour tout le peuple de Dieu de les soutenir par la prière et de les accompagner dans leur ministère, afin qu'ils puissent demeurer fidèles à leur appel et généreux dans leur service auprès des âmes qui leur sont confiées. Alors prions pour les deux ce soir d'une façon toute particulière. Mais prions également pour de futures vocations. Nous avons été bénis dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ces dernières années. Plusieurs autres diocèses nous envient. Et j'aurai la joie aussi demain d'ordonner trois autres prêtres, les compagnons de la croix. Mais il n'y a présentement aucun séminariste au séminaire. Et donc, il faudra attendre 5, 6, 7 ans avant les prochaines ordinations. And this call to prayer for vocations is of great importance this evening. Yes, we are blessed in this archdiocese to have
quite a few priests in the last years, but Pollux and Michael are the last of a particular group of seminarians. We're going to be going through a little dry spell before our next ordination. We do have candidates who are thinking about priesthood, but they truly need all the support they can receive. So your prayers are certainly very important, but also any kind of encouragement where you foster people who answer to God's call. That's what our young people need today. Alors soyons là pour eux, soyons un exemple de vie chrétienne afin qu'ils demeurent eux-mêmes fidèles à leur vocation. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain?
Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Let us pray now, dear brothers and sisters, to God the Almighty Father, that he pour forth heavenly gifts in abundance on these his servants whom he has chosen for the office of the priesthood. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Holy Mother, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint Michael, pray for us. Holy angels of God, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Saint Andrew, pray for us. Saint John, pray for us. Saint Mary Magdalene, pray for us. Saint Anne and Saint Joachim, pray for us. Saint Stephen, pray for us. Saint Ignatius of Antioch, pray for us. Saint Lawrence, pray for us. Saint Perpetua and Saint Felicity, pray for us. Saint Agnes, pray for us. Saint Gregory, pray for us. Saint John Paul II, pray for us. Saint Augustine, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Basil, pray for us. Saint Martin, pray for us. Saint Benedict, pray for us. Saint Francis and Saint Dominic, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. Saint Francis Xavier, pray for us. Saint Marie John Vianney, pray for us. Saint Charbel, pray for us. Saint Catherine of Siena, pray for us. Saint Teresa of Jesus, pray for us. Saint Rita, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Saint André Bessette,
pray for us. San Jose Maria, pray for us. All holy men and women, saints of God, pray for us. Modre tua favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les consacrer et de les consacrer, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et leur promulguer ta miséricorde, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir, de grâce écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Hear us, we pray, O Lord, our God, and pour out upon these your servants the blessing of the Holy Spirit and the power of priestly grace, that you may surround with your rich and unfailing gifts those whom we present to your fatherly care for consecration. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us stand, for you will live.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit-Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu les avais mises à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'Esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps, qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite, qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit-Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous, un fidèle intendant de tes mystères pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qu'il lui a confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblés dans le Christ, seront transformés en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. May the Lord Jesus Christ, whom the Father anointed with the Holy Spirit and power, guard and preserve you that you may sanctify the Christian people and offer the sacrifice to God. Et l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Receive the oblation of the holy people to be offered to God. Understand what you will do, imitate what you will handle, and conform your life to the mystery of the Lord's cross. Christ. Peace of Christ. Congratulations.
être debout pour maintenant la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Please be seated.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Praise and glory of his name for our good of all his holy church. Look, O Lord, we pray on the surpassing charity in the heart of your beloved Son, that what we offer may be a gift acceptable to you and an expiation of our offenses. We ask this through Christ our Lord. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, et quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous, et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous attirés vers le cœur ouvert du Sauveur ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Il est grand, le mystère de la foi. Nous
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis, our Pope, and Marcel, our Archbishop, Yvan, our Auxiliary Bishop, with the order of bishops, these your servants who have been ordained today as priests for the church, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance dans la langue de notre choix la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Giving bread.
Let us pray. May this sacrament of charity, O Lord, make us fervent with the fire of holy love, so that drawn always to your Son, we may learn to see him in our neighbor. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Please be seated as we now take time to listen to Father Michael as he expresses words of gratitude. Praise God. Wow. Okay, so I'm going to speak on behalf of L'Abbé Pollux as well. So I think in common, we want to thank the Sacred Heart of Jesus for choosing us, unworthy though we are. Alors, on donne tout au Sacré-Cœur de Jésus. And we thank His Grace, Archbishop Marcel, for ordaining us. So, de la part de l'Abbé Pollux, il aimerait remercier les membres de sa famille, Almonor et Jean-Baptiste, entre autres, ses oncles et tantes, ses frères et sœurs qui sont en Haïti, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, les responsables de son stage, le Père Apollinaire et Monseigneur Maurice Dionne, le responsable de la formation, l'Abbé Pierre Champoux, le vicaire épiscopal, l'Abbé François Kibwenge, les religieux et religieuses de la Congrégation de Sainte-Croix, les sœurs de la Charité de Saint-Louis, les frères et pères trinitaires pour la retraite, les paroissiens des lieux de stage à Orléans, Alfred et Lefebvre, les amis qui viennent de partout, d'Haïti, New York, Boston, Florida, Montréal, Québec, Nouveau-Brunswick, le personnel du centre diocésain pour tout le travail de préparation. Alors, je suis certain qu'il peut dire ça en meilleurs mots que moi, mais je vous remercie de sa part et plus tard, il va vous remercier. And for myself, I want to thank especially my family and friends who have come from far, those who wanted to come as well and weren't able to make it, especially those back in Lebanon. To everyone at St. Augustine's Seminary, especially Father Edwin Gonzalez, the rector, the one who vested me and gave me a hard time over all these years. To everyone in Ottawa, especially at St. Monica's and St. George's parishes, Fathers Frank, Monsignor Hans, and Father Sean, especially. To everyone from Cornwall, where I did my internship, and thank you so much. To Father Monsignor, whatever, Kevin Maloney, to Father Jonathan Blake, and everyone at North Glengarry for the awesome summer last summer, thank you. To finally, with my family, my mother Rita, my father Nabil, and my brother Mark Emilio. And I'd like to give the last word of thanks to the Immaculate Heart of Mary, our mother, for choosing us, for guiding us, for protecting us. And tomorrow, L'Abbé Pollux and myself will celebrate our first Mass on the feast of her Immaculate Heart. So we give all glory to God and thanks to all of you for your prayers and support. All right, so I'm done thanking, but not really. But after, if we go down straight through these back doors on the right and on the left, there's going to be a little reception and blessings in the Archbishop's Chapel. So just follow the massive crowd that's going down. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce
pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. May he make you servants and witnesses in the world to divine charity and truth and faithful ministers of reconciliation. Amen. And may he make you true shepherds to provide the living bread and work of life to the faithful, that they may continue to grow in the unity of the body of Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in peace. Thanks be to God.